Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec mon camarade Serikai. Bonjour tout le monde. Donc, on est après le patch machin truc qui est sorti. Tu l'as pris toi le DLC ou pas? Enfin, Non. moi je l'ai pris. Enfin, bravo. Et il est à 8 balles je crois sur Instant Gaming ou un truc comme ça. Ou sur, je sais plus qui je regarde qui fait des belles vidéos et qui a un code partenaire patatipa. Donc, ma matriarche. Ma matriarche, non, j'ai pas envie de la mettre sur un... J'ai pas envie de la mettre sur un chaudron, sur un chariot, je préférais la mettre sur une monture à la con, mais bon. Ah ben bravo. Non, mais un peu de tenue quoi, est-ce que moi je rote? Si les gens savaient. Ah ben justement, mais ça va pas. Pour moi, ils ont l'image de Macrine, le mec qui l'en est bien, qui fait pas de conneries quoi. Bon, allez hop, divination pour ma matriarche. Malekith, 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 qu'est-ce qu'on devait faire? Oui, il y a cette histoire qu'il faut que tu essayes de... Est-ce que je peux... T'es où, poteau? T'es en guerre, t'es où, toi, poteau? Malekith avec Morati. Non, je sais même pas qui est qui, ça me casse les couilles, ça je confonds Malek, c'est toujours. toi. Ah ouais, voilà. Rejoindre la guerre contre... On Guerre contre demande... qui? Putain, je peux pas rejoindre la guerre pour rejoindre, tu sais, tes guerres à la con, là, contre le chaos et les Skaven ou un Ah truc. ouais. C'est peut-être parce que je les connais pas, techniquement. Je les ai croisés, mais comme ils ont pas de ville, je les vois Ouais, pas. c'est... Essaie, toi, à ton tour, de m'inviter dans ta guerre. J'ai essayé. On a déjà essayé ou tu vas essayer? Je vais essayer. Tac. Donc Malekith, lui, se touche la bite. Kedril, Kedril, je sais plus ce qu'elle devait faire, elle. Si j'ai pas. Non, on a... non, j'avais rien dit avec Kedril. Si Kedril, je vais récupérer ça. De toute façon, je sais à peu près vers où il se Noble dirige. Du coup, il y a purpose. Morati qui va se placer Good waves. pour s'occuper de cette horde qui arrive. Hop, allez. Kedril, on la met là. Chef de cœur malveillant, c'est quoi? Alors, public plus 6, oh putain. Pense le calme. Faut vraiment que j'y pense un jour à m'occuper de mes. Tu sais, de mes. Comment ça s'appelle? Ah, lui. Ah oui, voilà, j'ai enfin rattrapé cet enculé de nain. Enfin, tu sais, les pirates là. Ah bah non, j'ai fini mon tour avec elle, fait chier. Malekith, mais j'ai déjà dépassé Malekith. Aspéron, il se touche la bite. Irkitar. Ah ouais, Irkitar, lui, il est en mode. On va finir de défoncer les lézards. Bien, bien, bien. Continue à les attaquer. L'amiral Dranak, lui, on a dit, il va se défoncer cette ville là-bas. L'heure de l'aube. Voilà, là-bas, on leur roule dessus, quoi, en ce moment. Parfait. Elle. Ça, tu vas pour les conquérir. Ouais, elle, je vais l'emmener à terre. Je vais l'emmener vers. Là-bas. Je vais Tu as faire même pouvoir d'ailleurs, si tu continues vers le sud, peut-être t'emparer la forteresse de l'aube si tu veux. Forteresse de l'aube. Oh. C'est les îles Malouines. Ah ouais, putain, faut que je fasse ça après. C'est une province qui est Ouais. assez riche. Ah oui, c'est vrai qu'avec lui, j'avais voulu déclarer la guerre au Tokar, mais que j'ai pas pu. Parce qu'il me dit, tu peux pas déclarer la guerre. Fais chier. Est-ce que je pourrais. Oh, si j'allais lui mettre sur la gueule à lui. Non, ça risque d'être chiant, je vais éviter. Ah ben oui, elle va récupérer ça. Non. Déplace-toi en mode normal. Voilà. Une épave. Bien. Du fric? Ouais, ou bataille. Donc, automatique. Automatique, je pense qu'on Je pense qu'on peut la gagner. Je pense aussi. En plus, avec le coup, oh, que 5000 de thunes, quoi. Seulement? Ouais, c'est la dèche. En plus, Décevant. avec cette possibilité, tu sais, de. Ouais, ça, c'est mon autre armée, celle-là qui arrive. Elle va aller s'occuper. Non. On va l'envoyer par là-bas, en mode avance rapide. Là, le pauvre, tu m'étonnes. On est en mode, on va te défoncer, espèce d'enculé. Avec nos armées qui voguent. On arrive! Mais les gars, j'ai rien fait! Mais on arrive quand même! Lui, il peut pas se déplacer, il a tout fini. Ok. Méville, je sais pas si j'avais des trucs à faire. Je crois que non. Oh si, putain, il y a des trucs à faire partout. Une Macrindor qui va s'installer en Afrique, qui va tout conquérir. Ah, mais grave, quoi. Ça, c'est fait. Ici, les routes, ça. Putain, mais j'ai tout fait, en fait. Maison d'artisan.
Les araignées sans le boost. Chill le faire, ça je le ferai plus tôt. Le chaos qui baisse là-haut, très bien. Ah, j'ai pas, si j'ai le marché aux esclaves, on verra plus tard. Clic, plus 4, ouais. Par contre, l'enclos esclave, ça c'est très bien. C'est l'avenir, l'enclos esclave. Toujours. Et on va faire. Je sais pas combien de surplus, 3. Ouais, on va faire un autre. Ça, niveau 2. Ouais, là on est plutôt bien. Ok, on va dire que c'est bon. Allez, à toi, poteau. Bon. Alors là, Jean-Louis, il fuit. Parfait. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'on est en train. Ouais, l'autre. Ah, c'est quoi? Une petite armée. C'est du Vanabionkle. Territoire, mais c'est quoi cette implantation de Roumains qu'il a, l'autre? Bon, les copains, qu'est-ce qu'ils veulent? Dès que t'as. Ouais, tu regardes ça. Elle, faut qu'on soit pote avec elle. Je pense à m'inviter. Hein. Oh, c'est une guerre à la con contre une faction qui a qu'une seule province, c'est pas dur. Hein, non, pas sur ça. Moi, c'est surtout contre les. Comment ils s'appellent? Moi, je te parlais de m'inviter contre les. Donc les tocards là, ouais, les armées du chaos là qui te. Moi t'as Morati ou ma. Je suis jamais lequel, bref le mien. Oh, regarde-moi le clochard là. Allez, résolution auto. C'est quoi ça? C'est les restes de l'armée du Jitor là. Qui veut faire le malin. Hop, une façon ah, oui. Ah oui, il existe encore lui. Ouais, nickel. Ah oui, c'est vrai que toi tu peux. Bonjour, c'est du chaos ici. Bonjour, je m'en bats les couilles. Et moi je suis. Ah non, bonjour, ça me fait trop mal. Bonjour, c'est du chaos, oui. Bonjour, moi ça me plaît. Tu m'étonnes. Alors que moi, mes terres là où je suis en train de pleurer ma mère pour les garder. Ah, ça fait chier. Toi, bon, c'est cool. Est-ce que tu peux m'inviter dans tes guerres? Putain, si tu peux m'inviter. Bah, déjà, une faction néantie. Je passe tous les événements. L'ulti défenseur, le scan qui est en guerre a confédéré une autre faction de scan. Ça craint. Ah, ok. Si, c'est... Bah, je suis à côté, t'inquiète. Ah, je vois, ok. Alors, diplomatie. Diploma quoi? Chut. Sur qu'il faut taper. Allez, est-ce que tu peux me proposer? Non, je vais pas le proposer. Ah, fais chier, quoi. Parce que ça va être une guerre contre, en fait, une faction de... Des factions générées par l'ordinateur. Ouais, donc. Juste par event. Ouais, de toute façon, tout. Pff, là, l'homme lézard. Ah oui, l'homme lézard, il est en train de faire un rituel. Bah ouais, c'est le deuxième. Nous, le quatrième. Ah, il reste 9 tours. En plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, il fait un rituel. J'ai une armée qui est en train de rusher vers Uatek. Et j'ai une autre armée qui arrive. En fait, j'ai 3 armées. J'ai l'armée de Dranak qui va me défoncer du territoire. Ah, oh, c'est quoi ce qu'il y a à gauche? Ah, c'est du. Ah oui, c'est vrai que t'as le Skaven à gauche qui nous fait chier. Ouais, je vais le foncer dessus, t'inquiète pas. Gaffe, oublie pas que t'as une invasion là-bas. Hein. En fait, faut sévir. Par contre, est-ce que t'as un. Est-ce que t'as. Putain, je suis arrivé. Est-ce que t'as un de tes mecs avec attaque éclair? Non. Parce que pour le Skaven. Ah putain, ça à prendre. Hein. Parce qu'avec le Skaven en bas là, l'autre, tu fais attaque éclair, bim, tu snipes une armée. T'inquiète pas, j'irai au prochain tour lui sniper une armée. J'irai faire ça, t'inquiète pas. Et pendant ce temps-là. J'ai confédéré une petite faction d'elfes noirs qui avait quand même des bâtiments niveau 5, les mecs, c'est des monstres. Hein. Ouais. Bah des fois c'est ça, c'est en fait tu laisses un truc, un OPM comme dans WoW, le truc ça se développe, ça fait du.
Sauf que dans Total War, je pense qu'on peut moins facilement faire du. Merde, comment ça s'appelle? Build-all ou un truc comme ça, tu sais, construire, te développer, hyper développer. Parce qu'une fois que t'as fait toute ta ville, t'as fait tous tes bâtiments, ben c'est fini quoi. Ah ouais, pas mal, il a le temple des crânes aussi, où il y a le rituel qui passe. Ah bah tiens, résolution auto. Temple des crânes, il va y avoir une petite surprise. Coucou, c'est Malus. Oh le pauvre, je comprends pas, il lance le rituel, donc en fait ça veut dire que techniquement, t'as les armées du chaos qui vont s'approcher de lui, donc limite on les laisse faire quoi. Ah bah les armées de chaos, il y en a qui vont se pointer chez lui, c'est sûr, hein. Faudrait presque pas attaquer les villes de rituel. C'est qu'en fait il est en guerre et l'autre il lance le rituel, je sais pas, t'es en guerre en train de te faire défoncer, t'as deux elfes noirs en mode vénère qui débarquent, qui sont en train de. On lui attaque son territoire de tous les côtés. Vas-y tiens, je vais faire un rituel et me faire défoncer par le chaos. Pourquoi? Je sais pas. Ah mais c'est vrai qu'il y a l'elfe. Ouais, faudrait qu'on s'en occupe après de ça. Bah dès qu'on a fini avec le Slan, on va s'occuper du. J'irais bien pacifier le sud du continent, quoi. Avec les elfes noirs, les tout ce qui traîne, quoi. Assume Vranet, command. qu'est-ce que tu fais avec Vranet, toi? T'avances, tu recules, comment veux-tu, comment veux-tu? Non, je The fais un misclic en garrison fait, is mais bon. mine. J'irai au palais des princes juste après pour. Pour la construire? Ouais. J'attends encore un ou deux tours pour me régénérer. Pendant ce temps-là, donc l'arche noire, elle est en train de se builder. On va recruter une vraie armée. Alors, messeigneurs, qui c'est qui glande? Vranet, justement. Allez, t'attends le mec, il est un peu en train de conquérir le monde sur des terres tout pourries. Si on a bien qui bosse chez toi. Parce que d'ailleurs, comme dirait l'autre, hein, on se fout pour Vranet. Hein. Un jeu aussi qu'il faudrait que je me lance à faire, que j'ai adoré les 1, 2, 3. Non, le 1 et 2, c'est Edge of Wonder. Et j'ai le 3, mais j'ai Ah appris oui, mon il faut que je fasse aussi. Il y a une armée de nains qui a popé chez moi, là, du coup, ben, je sais pas ce qu'ils foutent, mais dans le doute, je vais les souiller. Tu Non, parce que c'est une petite m'étonnes. horde. For the wisdom of Valyria, Ouais. my axe thirsts for war. Ah voilà, ils ont l'air assez puissants. Ah ouais, ils ont quand même des saletés. Allez, on s'est fait. T'as une armée de clodos, toi encore. C'est les armées de gitans qui sont. Mais qui est C'est les armées de clodo, gitans qui putain. sont en arrière. Mais modernise-les, tes putains d'armées, elles nous servent à rien là, on a quoi en... Oh, cocu, arrête, y a rien là. Ah si, il y a les lance-flammes. Il y a les dracs de fer, il y a des squigs. Il y a un gyrobombardier, ouais, le gyrobombardier, le jour où ça fera mal, on rigolera parce que niveau précision. Non, il y a. Pff, ces trucs là avec des haches à deux mains, ils vont charger, ils vont défoncer un peu. Non, il va prendre cher, hein. Voilà. T'as les squigs qui peuvent être chiants peut-être, éventuellement. Le seigneur, le nôtre, tu le gardes en retrait. Et tira attaquer, je pense, quand le seigneur ennemi sera là, tira l'attaquer en corps à corps en individuel, juste Ça. avec lui, et on mettra les archers en tir dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un peu Ouais. une technique en. On a des lanciers. T'as des lanciers ou t'as des connards avec Et des des épées? lanciers et des épées, et les deux. Ouais, bah tu fais limite, je te dirais, tu fais tenir le front avec les lanciers, enfin avec les épées. Voilà, Tu veux on des va troupes? défoncer. Tu veux quoi comme Ouais, troupes? vas-y, ce que tu veux. Tu sais quoi, j'ai passé les archers et tu veux la cavalerie ou pas? Ouais, je veux bien la cavalerie, ouais. Ok, je Ouais, c'est passe la à calme. cavalerie. Ah oui, c'est la cavalerie, je me rappelle de ta. C'est là de cavalerie, c'est ta cavalerie qui avait fait des dégâts à la charge, mais qui avait fait que dalle comme dégâts en arbalète. Ça, on les prend. Ça, on les prend. Ah ouais, en plus, il a des déploiements de l'avant-garde. Voyons, voyons. Je vais me mettre. Tu passeras devant moi? Je me mets sur la ligne de front histoire de commencer à tirer le. Je fais pas une Ok. ligne de front trop large. Je reste assez groupé de manière à pouvoir. Je vais essayer de les. Ce que je vais faire, je vais me mettre par là-bas. Voilà, comme ça, je vais retirer dessus. Je vais m'occuper. Je vais les baiter un peu. Ok, donc attends, moi je Je te les dis quand je suis prépare. bon. Merciless warriors. C'est bon, tu peux lancer quand tu veux. Ok. On avance. On avance un petit Ah, peu ou pas? Scoop à Squeak, c'est un monstre explosif. Les Ah. Squeaks.
by your command. On va peut-être un régiment dessus. On to slaughter. Sur les quoi? Sur les squigs? Ouais. Sur le squig, ouais, histoire d'un régiment de merde, là, des pistes plutôt peut-être, que des lanciers. Oh, c'est des lanciers de merde, c'est de la base, hein. Ouais, mais le lancier peut quand même servir, alors que les épices, faudra qu'on les dégage. Bah, le squig, il a l'air de m'en vouloir, hein. Qu'est-ce qu'ils font, ces connards de lance d'épée de... Ah, voilà. Ah, il a que 118 points de vie. Bon, bah, je crois qu'il va mourir. Bah, bon. Voilà. Regarde le squig. De droite. T'as un rôle de drague de fer en lance-flamme, là. Je vais passer dans leur dos. Et tu remarqueras qu'ils regardent les... Comme t'as défoncé les... Les tueurs, je leur fais une petite charge dans le dos, histoire de... Voilà, regarde les lanciers de fer. Ah bah, j'ai mis mes archers dessus. Voilà. Mon junior est en train d'engager le sien. Au cac. J'envoie ma cavalerie, voilà, sur le... Ouais, sur les drac. Le général, il est où? Ou dans les archers, malheureusement. Ah merde. Non mais attends, bouge pas. Je me gère ça correctement. Bon, mes cavaliers, je les fais finir les dracs de fer, histoire que... Ouais. Mes archers, je les redéploie. Enlève... Quoique... Je vais m'occuper du gyrobombardier avec mes lanciers. Là-bas, il reste quoi? Un drac de fer, il en reste 150... Non, il reste 3. Les lanciers, fais leur faire une charge à ce moment-là, sur le... Voilà, bah, où t'es en train de charger, justement. Voilà. Deux dracs de fer... Drac de fer, il en reste 2... Et bon, leur troupe à la hache, c'est annihilé. Général ennemi, il est en déroute, parfait. Je crois qu'il est mort d'ailleurs. Non. Allez, les dracs de fer, il en reste 2 là, on va les finir. Donc là, voilà. Il veut pas mourir, il en reste 2, 43 points de vie, allez. Ah, pour les tuer, ils veulent pas tomber, hein, c'est Casburn. 35, 18, allez, il en reste 4 points de vie. Putain, 4 points de vie, il en a 2 de vivant. 2 de vivant, 4 points de vie. 1 de vivant, 1 point de vie. Et je vais mettre une charge sur les mecs à lâche, voilà, qui sont sur le flanc gauche. Vous toquez pas, je crois que ceux-là sont morts. Hein. Non, pas ceux qui sont à droite, à la gauche là. Ceux qui... Ouais, genre, mets une petite charge de dos, histoire. Okay, ouais. Parce que comme ils fuient pas, tu sais, histoire de les faire dérouter, quoi. Ils veulent pas s'effondrer, hein. Le moral, le commandement, sens. Ah oui, mais ils se déroutent pas, je crois. Limite, enlève tes troupes du corps à corps là-bas, à droite. J'en mets mes archers dessus. Il est mort, c'est bon. Ah bon, on a tout tué. On a tout tué. Je vais essayer de charger. Je sais pas. J'essaie de conseiller. Bon, on engage le combat dans la fouille. Putain, je sais pas comment ça se fait, j'ai perdu autant de troupes, mes cavaliers. J'ai perdu 17. Mais ils ont fait mal, hein, putain. Ah non, ils ont fait que 11 morts. Ah, 11 morts, ils ont quand même fait un squig explosif. Mes archers, j'ai eu un mort dans mes archers. Donc en fait, non, tu m'as dit, le général, il est dans les archers. Non, non, tu l'as intercepté avant. Passe en vitesse rapide. Ah, je vais pas réussir à l'attraper. Enlève ton infanterie du général. Qu'elle me ralentisse pas, ouais, j'arriverai pas à temps. Pas grave. On va plus terminer la bataille. Ouais, nickel. Bon, ouais, on l'a bon, fait. Restons un, il reste un mec. Le général. Ah, et putain, tes épices, ils ont pris cher. Ouais, ils ont pris une bombe. Ouf, t'as un régiment qui est mort. Ouais. Pas grave, bon, c'est du triste la main.
C'est pas grave, hein, honnêtement, je n'ai rien à faire. C'est que de la viande, hein. Ouais. Du coup, je me débarrasse de cette petite armée neutre, mais bon. T'en fous, ça fait l'expérience. L'expérience des thunes, tu vas le finir comme non. ça. Il a survécu. Bah oui, c'est un général. Eh ben. C'est pas grave, je poursuis le prochain tour, je le massacre, hein, le machin. Après, je t'avais dit, ma partie en solo ou avec Mena, j'avais dû traverser la moitié, plus que la moitié de la carte parce que les autres, ah, vas-y, je traverse tout. Bon, alors ce qu'on va faire également, on va faire quoi? Bah, je vais plus rien à faire, donc je te passe au contrôle. Rituel de position. Comment c'est... Ouais, ok. Configuration avec la classe. Fait chier, j'étais... Configuration, ouais. Je savais même pas qu'ils existaient, ceux-là. Ok. Mais non, c'est à toi. Bâtiment. Torelir, niveau 5. Ça veut dire que comme ça passe niveau 5, les fermes, on les dégage. Bon, il y en avait qu'une. Hop, ici, ça, on passe au niveau 3. Les babioles, ça fait du fric au niveau 3. Au niveau 3. Là, on va faire la route. Palette Tyrannox, ça fait quoi? Je vais sur son froid, revenu. Ouais, c'est juste parce que ça rapporte du fric que je prends ça. Les montures. Ah, niveau 5 pour là-bas. Donc là. Dégage ça. Chevalier d'effroi. Chevalier d'effroi sur sang-froid. Non. Chier. Oh, rang du chien recruté plus 1 dans toute la faction. Ouais, on va le construire pour cette raison-là. Ok, hop, Malekith. Prends bien. Toi, tu feras, on s'en fout. Asperon, tu feras, on s'en fout pour changer. Irkitar, il va s'occuper de la ville de Uatek. Qu'est-ce qu'il y a comme défense dans la ville? Je sais pas, je saurai plutôt d'après. Non, Irkitar, il est là. Dranak. Dranak, il va aller taper la ville de. C'est quoi ça? Lueur d'aube. Lueur d'aube. Coucou, c'est moi, c'est Dranak. Je l'ai fait en automatique. Ouais, je te laisse faire, parce que là, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Ouais. Ah, j'ai oublié de regarder un truc, parce que j'ai vu un truc aussi qu'ils font des fois à technique, c'est mettre à sac et ensuite occuper. Ouais, il faut faire deux tours, c'est ça? Non, en un tour, tu peux le faire. C'est-à-dire, si je fais mettre à sac, et comme il a du déplacement, comme j'ai du déplacement, tu réattaques derrière. Et là, tu fais hop, occuper. Bon, après, tu peux refaire pied occupé. Et ça fait que t'as plus de. Tu fais plus d'esclaves. La ville, putain, j'atterris, les mecs, il est full vie, full tout, quoi. Et en plus, je crois que lueur d'aube. Non, on bascule là-dessus. Ouais, c'est une ville niveau 1, donc ça, on passe niveau 2. Voyons, Dranak, il est là. Est-ce qu'il y a une autre ville marine qui lui reste à l'autre tocard, là? Ah si, statue des dieux. Non, c'est dans la terre, fait chier. Mais je peux me rapprocher des côtes pour aider mes troupes à se renforcer. Le sud, on craint plus rien. Ah, palais des chevaliers de l'effroi. Pour faire des... Non, je vais pas construire ça, je suis con. D'abord, je me déplace. Non, d'abord, on monte de niveau. Dranak. Putain, Dranak immortel, ça, ce sera bien.
Inconnaissable, extensable. Toutes les unités armées du Seigneur permettent les attaques magiques. Taux de recharge plus 10%. Ah putain, ça me plaît tout ça. Guérison elfique. Inattaquable. Qu'est-ce que je le fais? Est-ce que je le booste lui? Ou est-ce que je booste ses unités? Ou est-ce que je booste puissance d'armes contre les elfes? Non, ça dit que ça fait quoi des... Non, oh putain, je sais pas quoi faire. Sortige de Ken. Et mon héros, ouais, le héros lui il va combattre par. Dirigeant de Nessos. Et là, on s'en bat les couilles ça. Si, dirigeant. Difficile à atteindre. Hop, on augmente sa défense. Ensuite. Ah ben il a fini. Ouais, on va construire. Voilà, comme ça je pourrais recruter des petites troupes qui tiennent la roue. Non, est-ce que ça vaut le coup? Ah, désolé, je suis long les gens. Ah, si je peux recruter des sorcières, ouais, voilà. Ok, Dranak. Elle, bah ça tombe bien, elle arrive là juste au moment. Endommager les murs. Bah non, on peut pas, il n'y a plus de thunes. On va l'approcher de là-bas histoire de se renseigner un peu. Ah ouais, il y a une autre ville là. Tic-tac-toe, j'ai trouvé. Oh non, pas TikTok. Non, mais je vais le défoncer. Dranak, ouais. Sinaef. Sinaef, bah, Sinaef, il va arriver, il va aller faire des bisous à Tic-tac-toe. Tiens, on va arriver là-bas. Hop, Kedril, elle fait quoi? Elle se branle la schneck. Gimnash, il va nous s'occuper de cette putain d'armée de. Tu sais, qu'on suit depuis. On va la faire, histoire de. Il reste 2 minutes, mais on va faire la bataille. Ah oui, si, on a quand même fait une bataille. Ah oui, des Skaven à la con de sa race là. Ah, oh, non, des Skaven. Bon, bah, on va les défoncer. Ouais. Oh putain. Ah oui, c'est ce qu'avait qu'on court depuis des... Oui, qui nous a déclaré la guerre, qui a longé nos côtes, là, chez les elfes noirs tout en haut au nord, pendant... Ensuite, sont revenus par le sud, ensuite, sont revenus... Et je leur cours après en mer depuis 2 jours, quoi. Bah, déniculé. Bon, t'as les furies, l'avantage, les furies contre les scaven, ça fait mal. Les lanciers, bon, ils sont là pour prendre le tampon. Et après, on va... Les Skaven, c'est vrai que c'est une putain de faction qui est affreuse, quoi. Parce que leurs troupes de tir, elles sont correctes. Leurs troupes de corps à corps, elles sont correctes. Leur magie, elle est infâme. Et leurs héros, ils sont casse-couilles. C'est ça. J'ai une idée. Ouais. On se met en place. Et puis, juste avant de lancer la bataille, ben, on arrête l'épisode. Non, t'es une pute, toi. Bah, je sais pas, on fera des vues. Non, j'ai cru. Oh, quel enculé. Je te file ça. Et je te file les balistes. Et moi, je vais m'occuper des ombres. Parfait, ça va très bien. Je vais pouvoir faire mes muses. Les ombres, j'ai peut-être te filer 3 régiments d'ombre que tu gères. Toi, tu gères le front, et moi, je vais me mettre sur les côtés. Tu sais que tu gères le front? Ouais, je te laisse la face avant, et moi, je me mets les côtés. Donc, un, on enlève le feu volonté, et je vais les planquer dans les bois, les miens. Là. Donc, je gère l'avant, d'accord, très bien. Non, je vais carrément me mettre là, dans les bois, ici. Ceux-là, je les mets dans les bois, ici. Et les autres, je vais les planquer. Il n'y a pas de bois ici pour se planquer. Ah bah, je suis con. C'est des ombres. On s'en bat les couilles du bois. Ok. Mini, quand t'es prêt. Ready. Allez, on va commencer par faire un petit tir. Comment ça, mes unités cachées sont découvertes? T'es juste à côté d'eux, non? De toute façon, je vais te les défoncer. Oh shit, les canons malfoudre ont plus de portée que nous. Merde. Non mais t'as regarde, t'as un canon malfoudre qui fuit. Kill them, eager for battle. Make them bleed. Slash. By Drakira. Death. Peut-être comme ceci. Vous allez mettre là. Les furies, vous allez mettre là. Le général, qui va aller glander lui.
Heureusement que leur piétaille est à chier. Hein. Ouais. L'avantage des ombres, ça court vite aussi. Ah, c'est bon, tu t'occupes de ces canons. Nickel. Moi, c'est bon. Ouais. Moi, je suis en train de m'occuper. J'occupe 3 régiments là. 4 régiments. J'en ai éradiqué 2 ou 3. Putain, je me suis fait rattraper. J'ai plus les tirs en se déplaçant. Non, ils tirent pas en se déplaçant. Bon, encore heureux parce que sinon, s'ils tirent en plus en se déplaçant. Mmh. J'ai trop pété les machins. Je vais me replacer derrière toi avec ce régiment. Lui, le régiment, il fait quoi? Bon, lui, il se fait défoncer. Ah non? C'est un mal fou, il reste plus qu'un seul canon, c'est parfait, j'ai anéanti les 3 autres. C'est bien, c'est bien. Essaye de m'envoyer tes lanciers sur la droite pour couvrir mes. Voilà, nickel, super. Ok, voilà, ça marche. Tu t'engages comme ça, je me mets derrière toi et dès que j'arrive, je serai à portée de tir. Le canon mal foudre ne tirera plus, c'est parfait, je vais pouvoir tirer dans la masse. Voilà, c'est bon, mes régiments, hop, là-bas, lui. Understood. The merciless host. Advancing. On va quand même tirer de cette masse là. By Drakira. For the king. By Kane. The merciless host. Let's pull back. Ah, eux, je les fais fuir. Ça évitera qu'il y ait trop de morts. Pareil, on les fait fuir. Eux, je te les rapatrie là-bas. Je te couvre avec tes balistes. Fais pareil, prends tes régiments de lancer et va un peu si tu peux à ma rencontre. Comme t'as fait à droite en fait. Je m'en occupe. La roue infernale, c'est bon, on l'a fait fuir la roue infernale. Elle est détruite? Non, pas encore. Bon, je continue à tirer dessus alors, ça gêne pas. Tout au cas où. Voilà, comme ça, le rat ogre, je le défonce. Voilà, là, la roue, elle est pas morte, mais pas loin. Est-ce qu'on va l'avoir? C'est bon, ça va, ça fout le camp. On va pouvoir s'occuper du centre. Dealers in death. Tous ces maudits coureurs d'égout là. Ah, c'est canons mal fous qui sont revenus mercredi. On va éviter de jurer, ne jurons pas. Ouais, rapatrie tes troupes à droite, les éloigne pas trop. Je ramène tout. Voilà, c'est bon, ça s'effondre. C'est bon, ça s'effondre. Du courant mortel, c'est parfait. Oh, le centre aussi s'écroule, parfait. Bon, c'est bon. Tant que ça puisse plus tirer, qu'on fasse un max de dégâts. Bah, j'ai perdu. J'ai préféré faire dérouter mes ombres parce qu'elles arrivaient pas à se replier. Donc j'ai préféré les faire dérouter. Comme ça, elles sont mid-life. Et je sais qu'elles reviennent sans disbande. C'était le mieux en fait. Hein. Ah ouais, toi t'as. Ah, le héros là en mode guinache lame poison. En mode je suis hardcore, je défonce tout ce qui bouge. On voit un peu les stats. Putain, les balises elles ont fait le café. Ouais, les ombres elles ont pas. Si elles ont. En fait, j'ai défoncé un canon, celui qui a fait 7 morts. Mmh. J'ai défoncé l'autre, c'est toi qui t'en occupais. Et après, ouais, on a.
La roue, elle est pas mort, mais je sais pas si on a peut-être éradiqué un régiment. Deux régiments, peut-être. Ah oui, ça c'est le régiment, tu sais, qui a zéro mort et qui a quasiment plus de vie, le régiment Skaven. Ouais. Parce que c'est comme unité. Lui, je crois que c'est un de ceux que je me suis chopé au début. Ils sont arrivés, ils sont apparus, j'ai défoncé le régiment, je me suis Vermine de choc. barré. Vermine de Ouais. choc. Et par contre, tu vois ce que t'as fait à droite quand je t'ai dit de m'envoyer tes lanciers, tu m'as envoyé lancer, ça m'a permis de me retourner de tirer. Et là, ça a été gavage. Ah oui, c'est vrai que There's j'ai oublié ce a lot of détail. me now. À servir, je récupère Mothlings are 21% de required. mes unités. Parfait. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur calme. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, regarde, tu vois le Put them truc? in chains. Ouf! Je suis quasiment full. Et bon, on fera la suite du tour demain. Ouais. Va-t-on gagner, va-t-on pas gagner? C'est du bien français, mais voilà. On sait pas. On vous dit bye bye les gens, et on se retrouve demain donc, pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir les gens.